Bonjour à tous, c'est B61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Judgment, toujours en découverte, avec l'épisode 34. Donc je vous rappelle que la dernière fois, du coup, on avait réussi à mettre la main sur Shono à la DDC. Bon, évidemment, il a tout nié en bloc, hein, il a rien avoué, mais on voyait qu'à son regard, on n'était pas trop loin de la vérité. On lui a juste fait comprendre que de toute façon, on n'avait pas de preuves pour l'instant, donc ça allait être compliqué. Et ensuite, on a vu Kido s'est pointé, du coup, on lui a parlé de l'histoire de qu'il fallait plus d'êtres humains, entre guillemets, pour tester la D9 parce qu'il n'était pas encore tout à fait fonctionnel. Donc, on voit que ça fait tilt, donc on est clairement sur la bonne voie. Et du coup, Yami en déduit que Shinpei Okubo, pardon, est complètement innocent dans cette affaire, donc il a été le voir en prison. Et il lui a redonné l'espoir que il allait peut-être réussir à le sauver. Et découvrir un peu toute la vérité qui se cache derrière tout ça. Donc on va entamer le chapitre 10, l'appât, c'est parti.3年前、創薬センターで入院中の認知症患者が殺害された。当時容疑者とされた死刑囚大久保新平は今なお潔白を主張する。そして一連の事件がアドデック9の人体実験であったとする八神の仮説は寺沢恵美殺害の真犯人を 浮かび上がらせた。Donc chapitre 10, l'appât. これから綾部刑事の接見に行ってきます。おう、八神も一緒か。いえ、僕一人です。八神さんはしばらく僕らと距離を置くそうです。モグラに狙われるだろうから巻き添えにできないって源田先生にも気をつけてほしいって言ってました。今更水くせえ。八神さんはアドデック9に絡む事件を 全部解き明かす気でいます。そうすれば綾部刑事も大久保君も二人を無罪にできるって。もし大久保新平の冤罪を晴らしたら、八神はえらいことになるな。間違いないですね。ええ、汚名返上どころかもうレジェンドですよ。まだそこまで浮かれる段階じゃねえよ。 やっぱりだ。この間仕掛けた松金組の盗聴器、まだ生きてたよ。よし、何が聞こえる？組員たちの雑談。結構な人数が詰めているみたい。ハムラはそこにいそう？いや、多分いねえな。そばに頭がいりゃピリッとするもんだ。誰も雑談なんかしなくなる。でもハムラは連絡を入れてくるはずでしょ。多分な。多分？事務所には連絡するはずだって言ってたの海藤さんだよね。そんな怒ることじゃねえだろう。はあ、一体どこに消えちゃってんだろう。確かにハムラの居場所が分かるまでずっとこうしてんのもなんだかな。とりあえずタバコやめない？こんな締め切ってんのに。だよな。そう思ったんだけど、 ついよ。しばらく辛抱してハムラは絶対に捕まえる必要があるんでしょ。ああ、モグラを引きずり出す鍵はハムラだ。そのハムラを抑えられないようじゃ俺らの負け。綾部も大久保君も助けられない。でもよ、ただこうして待ってるだけってのはな。じゃあいつものあれ使うか。
空から松金組を偵察してみる。Ah, ah, bah non. Alors je crois que c'est ici de mémoire. On va se mettre en vue FPS. Il y a un truc qui a tremblé là, mais je sais pas ce que c'était. Ah. Voilà. Et donc, ça tremble, mais je comprends pas. C'est bizarre, ça tremble, mais ça va pas marcher. Ah. Ah d'accord. Ok, c'était ça. Ok. Je m'attendais pas à ce truc-là. あれって東だよな。本当だ。なんか偉そうにしてるね。出世しやがったか。羽村がいないんで伸び伸びしてるって感じ。ん？見ろ。東が表に出るぞ。俺は東を尾行してみる。三人で盗聴を続けるより手を広げよう。俺も行く。じっとしてんのは性に合わねえ。じゃあ僕一人で盗聴？後で代わってやっから。C'est Tipar. Il a ses hommes avec lui. Je sais pas s'ils vont nous suspecter en même temps. Je sais pas comment ça va se passer. Parce que c'est la première fois qu'on file plusieurs personnes en même temps, du coup. Il y avait peut-être des quêtes secondaires avec ça, mais en histoire principale, en tout cas, c'est la première fois. Ah ouais, ils sont malins. Il va pas rester là quand même, ce coup. Non, ça va. Ça, je croyais que genre ils se dispatchent et tout pour nous la mettre à l'envers et tout. Là. Pour l'instant, ça roule. Ah, c'était là qu'il fallait aller, ok. Oh, joli, un nom. Du coup, petit à petit, il va se séparer de ses hommes, j'ai l'impression. Ils vont s'amuser à faire une course de drone, c'est ça? Vu que c'est là-bas que ça se passe. L'ascenseur. Ah putain, holy shit. Ah, c'est galère parce que là il y a le timer, heureusement j'ai augmenté aussi celui-là. C'était une bonne idée en fait. Je vais me mettre là. C'est un peu laser. Je pensais qu'ils allaient l'abandonner en fait.
Voilà, au moins d'ici je le vois, le timer fait pas chier, c'est bon. Mais ça reste comme ça ou c'est quoi le bordel? Je comprends pas ce qu'il faut faire en fait. Faut attendre si longtemps que ça, c'est bizarre. À mon avis, faut écouter sa conversation, mais là, avec les mecs, comment tu veux faire? Ah, ça y est. Oui, il y avait peut-être pas de conversation à écouter du coup, mais vu que je me suis fait cramer plusieurs fois, ça a fait durer le truc. C'est vrai que c'est risqué, mais bon, je vois pas nous attaquer quand même en public. Parce que toutes les victimes, en général, elles sont faites ken dans un endroit où il y avait personne, et puis voilà, quoi. Ça m'étonnerait quand même. À moins qu'ils sont prêts à prendre le risque, c'est possible. Après tout, le mec, s'il est entièrement caché, avec... S'il cache son visage et tout, il peut intervenir n'importe quand, quoi. Ils pourront pas lui remettre le grappin dessus. Oh, encore un qui s'en va, je suppose qu'il restera plus Higashi après. On l'espère. J'ai l'impression qu'il sait qu'on le suit. Au départ, franchement, quand je l'ai vu sortir, on voyait la caméra vue de dos quand on voulait se balader. Je croyais qu'il allait direct aller limite taper à la camionnette, dire coucou, j'ouvre, tu sais. Je m'attendais trop à un truc dangereux. Mais j'ai l'impression qu'il se débarrasse de ses hommes limite pour nous voir. C'est suspect quand même. Comment il fait avec Kaito lui? D'accord, ok. L'enfoiré, il me voit à travers le poster. C'était pas prévu. Merde, ils sont là du coup. Je croyais qu'il était, il avait continué à droite. Non, c'est bon, tu vois rien, t'inquiète, je suis derrière la plante, y a pas de soucis. Tu devrais confondre avec quelqu'un d'autre, mon gars. Excusez-moi monsieur, je voulais pas vous faire peur sur votre chaise. Direction Club Amour, c'est ça? Revenir aux bonnes bases. Kaito, il est où? Ah, je peux pas le voir. La caméra est trop... Pour imposer à ce niveau-là.
Ah non, c'est pas le club amour, non, c'est notre rue, pardon. C'est une rue après. J'ai confondu. Doko ni mukatte nda, Higashi wa. Na. Ima nara Higashi mo hitori de iru shi. Omoi kitte hanashi kakete miru ka. Kono aida ryoutei de yari atte irai da ze. Ore ra ni kiku mimi motsu ka? Dame de motomoto da. ダメでもともとか。よし、じゃあ行ってみっか。お、なんだあいつ、逃げやがった。なんでだ。C'est quoi ce délire ? Le mec il parle pas, il part en courant. Ou il veut pas qu'on le voit ici parce qu'il y a des zones pas longues, peut-être. Possible. Comportement bizarre quand même. Merde. Ah, fail. Putain, il m'a envoyé un truc à la gueule, ok. C'est pour ça que j'ai pas capté. Encore ? Putain, mais il est fou. J'aime bien, mine de rien, les courses-poursuites comme ça, c'est cool. Avant ça allait, enfin je veux dire dans les anciens Yakuza c'était sympa mais sans plus quoi, enfin tu les fais, voilà. Et là vu que tu fais plein de trucs stylés à chaque fois je trouve ça carrément cool de... Enfin ça me dérange pas quoi, limite quand on me dit une course poursuite je me dis bon bah c'est cool on va faire des acrobaties tu vois. Et ça c'est pas mal. Même si le skateboard ça me manque quand même, j'aurais bien aimé le revoir. Ça franchement c'était tellement swag le passage en skateboard quoi. なんだよ、もう逃げなくていいのか。別にお前から逃げてたわけじゃねえよ。え？組の目があるところじゃお前らと話せねえ。じゃあ話聞いてくれんのか。東って、てめえ。東は逃げない。休んでていいよ、海藤さん。羽村の頭は本腰入れてお前らを探させてるぜ。見つけたらすぐ連絡しろって組の門に号令がかかってる。へえ、逆に呼んでくれりゃすぐに会いに行ってやるんだけどな。会ってどうすんだ。向こうはマジでお前ら始末する気だぞ。ハムラの居場所は。俺は聞かされてねえ。本当だ。今あんたらに会ったことを頭には報告しねえよ。だがな、俺がお前らなら今すぐに町を出る。親父もその方がいいと思ってるはずだ。あいつ案外親切だったじゃねえか。じゃあ素直に忠告聞いて町出るか。バカ言え。冗談だよ。でも羽村の方も俺らを探してるらしいな。完全に始末する気でだ。だから。いやだからって。なあ、羽村の手下が俺らを探してんだったら襲ってきた連中を逆に捕まえりゃよくねえか。でそいつらに羽村の居所を吐かせるってのは。そううまくいくか。向こうはいきなり殺しにかかってくるかも。それか捕まって目をえぐられるか。じゃあまた杉浦の車の中で禁煙するか。ふん。正直それも嫌だな。だろう。よし、じゃあお前今からとにかく街中歩き回れ。俺が後ろから見張っててやっから。分かったよ。敵が襲ってきやすいようにわざと隙見せて歩くんだ。隙を見せてってどんな感じ。それくらい自分で考えろって。
よ、聞こえるな、ターボ。なあ。俺は距離取ってお前についていく。好きに歩いていいぞ。敵に隙を見せるようにな。Allez, c'est parti, on va jouer le fameux rôle d'appât, hein, comme le titre du chapitre, puisque c'est l'appât, je crois, le titre du chapitre. Donc, un endroit où je serais vulnérable. Bah, typiquement, derrière Serena, mais pour ça, il faudrait d'abord qu'ils me suivent. Faudrait que je trouve déjà des hommes. Ah bah tiens, c'en est ça? Non, bande de Saka... Ah oui, c'est le gros ça. T'inquiète, c'est la routine ça. Allez, avant que les flics se ramènent, hein. Ça va pas tarder. Soyez un petit coup avant le drame, quand même. Hop. C'est quoi d'ailleurs l'extra-augmentation? Augmenter les PA obtenus. Ah ouais, c'est stylé ça, j'avais même pas vu. Après, 180 secondes, c'est court. Hein. Peut-être contre un boss éventuellement. Putain, les flics arrivent. Mec, ton cul, putain, tu vas crever, enfoiré. Allez. Vite. Ah putain, allez là. Ah, fait chier, il est à la limite de claquer, je suis dégue. Non. Abusé. いいぞ、ターボ。これ以上ないくらい好きだらけだ。すげえな。どうやったらそんな風にできるんだよ。あのね、いつも通りに歩いてるだけ。今んとこ近くに怪しい連中はいねえ。安心しろ。本当に？ちゃんと見ててくれよ。任せとけって。 ただ、この後何があるか分かんねえからな。合間見て、腹ごしらえとかいろいろ適当に備えとけよ。ご親切にどうも。C'est pas faux. D'ailleurs, toute ma vie n'est pas complète, donc je vais utiliser une petite trousse de soin M. Voilà. Ce serait quand même risqué de rester comme ça pour la suite du jeu. Et puis, vu que j'ai pas. Ouais, j'ai que 9000 yens, donc je peux pas payer le médecin. Donc, pas trop le choix. Bon, il y a des hommes là ou quoi? Je vois personne comme par hasard. Je vais aller à leur bureau hein, si ça continue. Il y en aura forcément là-bas. Ça va être plus simple. Hein. Oi, kikoeruka, Tabo? Dou kashita, Kaito-san? Matsugane-gumi no renchu, kuitsuite kone na. もう少し露骨に隙見せて歩けねえのか？ん？例えばどんな風に？まあ酒飲んで酔っ払ってみるとかよ。酒か。なるほどね。テンダーにでも行ってみるか。OK
Si on en arrive là. La prochaine étape, quoi. Faut que j'ai l'air complètement déchiré. Faut que j'ai les vêtements défoncés et tout. Et tac, tu as un régal pour les yeux. Je te retourne le compliment. Comment vont les affaires ces jours-ci? Fabuleusement, comme toujours. As-tu besoin de demander? Ah ah, faut croire que non. Comment égaler ton niveau, Marie? Apprends-moi. Dernièrement, j'ai réfléchi au secret du succès, et je pense qu'il dépend totalement de la perspicacité. La perspicacité? Oui. Par exemple, j'apprends beaucoup des gestes et expressions des gens, c'est comme ça que je réagis. Tu m'impressionnes. Oh, je suis sûr que tu es aussi doué. Tu es détective, n'est-ce pas? Haha, eh bien oui. Alors pourquoi ne pas jouer un petit jeu ensemble? Quel genre de jeu? Tu vois cet employé de bureau assis là-bas? Parions sur le nombre de verres supplémentaires qu'il va boire avant d'aller aux toilettes. Tu peux vraiment le prédire? Ouais. Je dirais qu'il est parti pour 3 autres verres. Ok. Tu ne comprends pas, hein? Laisse-moi te donner un indice. J'ai remarqué qu'il était allé aux toilettes il n'y a pas longtemps. Alors je pense qu'il s'est soulagé pour un moment. D'abord. Alors tac, d'après toi, combien de verres le forceront à retourner aux toilettes? Laisse-moi y réfléchir. Peut-être que son langage corporel me donnera une sorte d'indice. Je ne le vois pas se tortiller ni regarder vers les toilettes. Il n'a donc pas besoin d'y aller. Pas encore besoin, pardon. Tu comptes juste le fixer en attendant d'avoir une illumination? Donne-moi une seconde. Je pense que son langage corporel ne me mènera pas très loin. Ce n'est peut-être pas lui qui compte, mais plutôt ce qu'il boit. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il boit là-bas? Hé, chef, que boit ce gars? Oh, un Red Eye. Ah d'accord, c'est un cocktail au jus de tomate et à la bière, exact? Oh. Tout à fait. Le jus de tomate est riche en potassium, qui est un diurétique naturel. Ce qui signifie qu'il pourra aller aux toilettes plutôt que ce que pense Marie. Ah ah. Est-ce qu'il y a autre chose quand même par curiosité? Son visage n'est pas rouge ni rien, a-t-il juste commencé à boire? Peut-être qu'il tient bien l'alcool, mais pas moyen de le dire en regardant simplement son visage. Tu le fixes, tac. Donne-moi une seconde. Je crois que c'est tout. Bon, je pense que j'ai réuni assez d'infos pour émettre un pronostic. Tu es prêt à casquer, tac. Les femmes n'aiment pas attendre, tu sais. Pardon, je suis prêt maintenant. Alors que le pari commence, combien de verres avant qu'il explose? Moi, je dirais 2 autres verres. Il ira après 2 autres verres. Pas loin devant mon pronostic, hein. Rusé comme un renard. Oh, et je ne l'ai sûrement pas mentionné, mais le pendant paie l'ardoise. Le perdant paie l'ardoise, pardon. Eh? Quoi? Oh, bon. Bonne chance, tac. Si d'habitude Marie boit comme un trou, aujourd'hui elle s'est surpassée, fais gaffe. Sérieux? Du calme, voyons comment la situation va évoluer. Putain, j'espère que je vais pas perdre, j'ai pas dosé. Gars, faites que j'ai raison. Ouais. Un autre, je te prie. Oh. Tout de suite. Super. Jusqu'ici, tout va bien. Ne t'emballe pas trop, quand même. Je pense qu'on a encore du chemin à faire. Bon sang, il faut que j'aille aux toilettes et je reviens, barman. Putain, un seul verre, merde. Vous n'avez pas besoin de ma permission. Oui, en plein dans le mille. Arf, vraiment. Pas mal, tac. Mais je dois savoir, comment es-tu arrivé à cette conclusion? À cause de ce qu'il buvait. Tu sais que la Red Eye contient du jus de tomate? Le jus de tomate est riche en potassium, qui est un diurétique naturel. Je savais qu'il ne tiendrait pas longtemps. Wow, tu as vraiment pensé à tout. Tu n'es pas détective pour rien, hein? Tu m'impressionnes.
Bon, j'ai gagné parce que c'était inférieur, mais techniquement, c'était qu'un seul verre, quoi. Non, je n'ai fait que mon travail. On remet ça quand tu veux, l'alcool et les paris sont le secret d'une soirée réussie. Si tu le dis. Bien, bien. Bon, à la base, j'étais pas venu pour ça, j'étais juste venu pour joindre le tender, mais why not? Et après, je dois faire quoi maintenant que j'y suis? Il faut que j'en ressorte, peut-être? Ah oui. Zuibun nonbiri shite yagatta na, Tabo. Nanka mokuteki wasurete ya shinee ka? Ha? Omae wa Hamura no teshita o obiki dasu otori nan da zo. Jibun dake kibun yoku nonden janee yo. Nan da yo kyuu ni? Somo somo anta ga yopparatte miro tsuttan daro? Aa. Kedo nanka mendou ni natte kita na. もういっそ松金組の事務所に勝ち込んじまうか？いやダメでしょ。結構な人数詰めてたし、そんなことしたらただじゃ済まないって。じゃあ、よし、こんな手はどうだ？こんな手って？松金組がケツ持ちやってる店に顔を出すんだ。ん？どういうこと？松金組の息がかかってる店に矢神が来たって触れて回るのよ。すると多分お前が現れたってご中心がハムラんとこまで行くわけだ。なるほど、そいつはありかもな。その店の名前と場所は？そうだな、天下一通りのアルビンかな。オッケー、わかった、行ってみよう。Bon bah direction la ligne. Alors ce que j'aime bien c'est le petit sens du détail, parce que rappelez-vous ça c'est mystérieux assassin qui est venu nous ken là. Du coup, qui a coupé l'emblème du bartender. Je trouve ça bien qu'il l'ait gardé, parce qu'en général, quand il y a des trucs comme ça qui sont détruits, bon, évidemment, mis à part tout ce que nous, on détruit pendant le combat, quoi, je veux dire, bah, il y a certains des trucs qui sont remis, quoi. Voilà, je trouve ça bien qu'ils aient laissé ce petit détail. Mais ce mec-là, à mon avis, quand on va le recroiser, on va pas être bien, je pense. Il sera pas tout seul. Mais je sais pas qui c'est, parce qu'en plus, il est à visage découvert, donc je crois pas que c'est en lien avec la taupe, clairement. Puis il a l'air jeune en plus. Là, tu me diras la taupe, on sait pas quel âge elle a, mais j'imaginais pas un mec comme ça. Parce que lui, on dirait qu'il a 20 piges, le gars. Quoi. Donc je sais pas. Donc l'Alvin, apparemment, c'est par ici. Hmm? あれは... お前らの面倒見る経費がかさんでんだ。みかじめの値上げは当然だろうか。そんな。タボ、間違いねえ。あいつら松金組のやつらだ。ああ、そうだね。ここは一つ人助けしとくか。あの店員お困りのようだぜ。カイトさん、棒読みすぎる。いいからさっさとやれよ。はいはい。ちょっと、もうその辺にしたら。え？なんだと？あ、ヤガミ、なんでこんなところに。一般人に凄んで何やってんの、まったく。てめえに関係ねえだろ。ほら、またすぐ大きな声出す。そうやって吠えるしか脳がないのか。あ、だからいつまで経っても下っ端なんだ。なるほど。Cette provocation de l'extrême, quoi, le mec il cherche trop la merde.
おい、あんたら。羽村の頭に八神が来たってしっかり伝えといて。は、羽村の頭？頼んだよ。おい、タボ、これ結構いい作戦じゃねえか？ああ、そうかも。カイトさん、他にケツ持ちしてる店知ってる？できたらいくつかあるといいな。じゃあ、ピンク通りにある連環の K って店と、七福通り西のファンタスティックロマンス、あと七福通り東のスイートビローだな。よし、全部回ってみよう。Ok, bon bah let's go, hein, il a décidé de foutre la journée de, d'Amura dans le rouge. Il va être plus que vénère là, vu comment on va faire chier dans toute la ville. On a intérêt à assurer, hein, parce que c'est bien de foutre la merde, mais après, il faut l'assumer. Le club sur Pink Street déjà pour commencer. Lenkan no Ke te no wa koko da na. Oni-san, ippatsu dou desu ka? Ii ko sorotte masu yo. Kono omise no hito? Ee, oni-san, yotte tte kudasai yo. Service shitokimasu kara. Koko tte Matsugane gumi ga ketsu motteru n desu yo ne? E? E? Nan desu ka?揉め事は勘弁してくださいよ。いや、そういうんじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えてください。八神？どういうこと？いえ、特に深い意味はないっすよ。それじゃ俺はこれで。ça devrait suffire et maintenant ma direction Shishifuku maintenant on va d'abord aller à l'estJe peux passer par là pour aller plus vite. Il veut pas? Ah putain, c'est vrai que je m'étais déjà fait baiser une fois, mais j'avais oublié. J'étais pas sûr de moi. Juste à côté de leur bureau, celui-là. Là. C'est plutôt dangereux dans le genre. Suite Biro à Koko Dana. À ce côté, tabac, c'est un teen, quoi? Quoi, 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 quoi,そうだけど、この店って松金組がケツ持ってるんですよね。お兄さん誰？八神と言います。特に用があるわけじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えといてくださいよ。どういうこと？いえ、特に深い意味はありません。それじゃ俺はこれで。Ça devrait suffire. Et maintenant, le dernier. Sur Shishifuku West, normalement. Je sais plus comment il s'appelait, c'est pas le romance quelque chose, non ? On va vite le savoir. Voilà, on y arrive. Koko ga Fantastic Romance da na. Are? Kyō mo gokurō sama deshita. Oh. Tsugi shiharai okuretara yurusan zo. Suimasen. Kongetsu uriyage warukute. Motto eigyō dorok shiro yo. Kuchi aketete mo kyaku wa konai ze. Oi, Tabo.ちょうどいいじゃねえか。あいつに挨拶しとけよ。挨拶ね。はいはい。すいません。空いてますか？
いらっしゃいま。てめえ、八神。あれ、松金組の方、こんばんは。のんきに挨拶なんかしてんじゃねえ。どの面下げて現れやがった。ちょっと羽村の頭に会いたくてね。どこにいるか知りません？なんだと？てめえ、舐めた口聞きやがって。頭には会えねえぜ。ここで俺がぶっ殺してやるからな。Ils sont bien équipés, eux. Oh, c'est plutôt ce que j'ai fait là. C'était au-delà de ce que j'avais prévu de faire.Je voulais juste choper le vélo à la base, mais c'est parti en coup. Voilà. Bon, est-ce qu'il va arriver maintenant? Parce que là, il y en a marre. Avec tout le grabuge qu'on a fait, putain. Il va bien finir par amener sa gueule, ce con. Ah.もう気は済んだ？くそ。このことはしっかり組に報告しておいてよ。それじゃ、俺はこれで。Bon, j'ai visité tous les endroits mentionnés par Kaito-san. Yo, こちら Kaito。ご苦労だったね、ターボ。バッチリだったぜ。そう？ああ、間違いねえ。羽村の野郎、すぐに手下どもよこしてくるぞ。お前はこのままもう少し町を歩き回れ。じき向こうから仕掛けてくるはずだ。わかった。Allez, on va faire ça. Bon, je vais courir. Je sais pas s'il y a des zones particulières où faut aller.Ah, les gros bourrins là. Ah merde, c'est quand la bande de Honda, c'est...Le dernier, toujours le plus costaud qui reste. Bon là ça va, il a pas trop trop de... Allez, tchuss. Un PK. On a combien de PA au fait dans tout ça? Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Oula! Ah oui, en effet, 10 000 PA. Intéressant.Pas trop quoi prendre là, parce que là il y a pas mal de trucs. J'imagine coup fatal triple, triangle triangle après combo. Ouais, recharge la jauge X pour chaque attaque bloquée. Ça, je dis pas non. J'aurais pu faire mon boost de vie là. Il restait quoi de même pas une quelques dizaines de PA à débloquer, mais je crois pas que ça soit trop utile. Je trouve que ça va de ce côté là.Bénédiction du devin, appuyez sur croix quand votre santé est faible, et c'est parce que vous permet de courir sans reculer face aux attaques ennemies quand votre santé est faible. Why not? Après, là, je crois que c'est tout. Aptitude spéciale, qu'est-ce qu'il y a ici? Crochetage, ouais. Drone commando, ok.Permet à votre drone de subsister quand sa résistance tombe à zéro. Cela n'arrive qu'une fois par course. D'accord.
permet d'entamer une course de drone avec un boost de vitesse instantané. Stylé. Gros lanceur, permet un jet de dés supplémentaire, ouais. Jet de précision, ralentit la vitesse du jet de dés, ce qui permet de l'arrêter où vous le souhaitez plus facilement. Putain, c'est énorme ça. Par contre, c'est cher. Très très cher même. Secret ésotérique, bon frigo, ouais. Why not, ça coûte pas trop cher. Je vais même faire le troisième. Et puis, pour l'instant, on va dire que c'est bon. Je vais faire le coup fatal triple. Histoire 2. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. Il n'y a pas autre chose à débloquer. À part là. Charge plus rapidement la jauge X, je vais le faire. C'est vrai que je me rends compte comme un connard, mais ce truc-là, j'aurais dû le faire depuis longtemps, en fait. J'ai mal interprété, j'ai dû mal lire à ce moment-là. Pour moi, dans ma tête, c'était en gros, vous avez plus de jauge X. Mais je l'avais pas vu dans tu la recharges plus vite. Alors que ça, techniquement, j'aurais dû le faire dès le départ, parce que les X-actions, en plus, tu peux les enchaîner plus vite que dans un Yakuza, donc il en faut, quoi, si tu veux enchaîner bien comme il faut. Bon, j'ai un peu chié dans la colle sur ce coup-là. Comment ça se fait qu'il y a autant de monde ici, c'est bizarre. C'est suspect, ça. Y'a pas de mec de Matsugane dans le coin. Eux là-bas, non. C'est ici. Bande de Kasai encore. Hop là, c'est torché en 2 secondes, ceux-là, c'est les plus faibles. Je sais pas où ils sont, je vais peut-être faire un petit tour vite fait à mon agence éventuellement. Je vais peut-être les croiser. Ah bah tiens. にぎやかなとこじゃ敵も襲いづらいだろうしよ。人気のないとこ?チャンピオン街のあたりがいい。ああいうとこならつい闇討ちしたくなるってもんだ。物騒なこと言うね。了解。 C'est pas faux, ça semble logique. J'ai juste consommé un petit truc à manger viteuf là à l'étage. Vu que j'avais pas corfé ici. Alors, on va prendre toutes les boissons. Hop. Et pour finir, une petite glace vanille. Voilà. Parce que c'est l'été. Ouais, ça passe quand même. Kinita. Voilà, nickel. Après, c'est vrai que là, j'étais en train de me dire, oui, c'est l'été maintenant, mais c'est vrai que quand vous aurez cette vidéo-là, étant donné que c'est plus de... Je crois que c'est la 34e, l'été sera passé d'ici là, je pense. Mais... Mettez-vous dans la tête que j'enregistre au mois de juillet. Le 11... Non, le 12 juillet, pour être précis. Et c'est torché. Allez, direction district champion. On va passer à la droite. Ah merde, putain, ouais, c'est vrai. J'ai toujours tendance à oublier que c'est le Little Asia un petit peu cassé ici. J'ai perdu de la vie ou quoi un peu? Ouais, un petit peu, allez. On va se picoler un petit coup, comme ça je pourrais faire l'attaque spéciale au passage. Il reste quand même beaucoup de choses encore à picoler aussi. Hein. Voilà. Comme ça, on est frais comme un gardon pour attaquer les Matsugane, c'est parfait. Ah, ça fait tellement plaisir de marcher en zigzag et de se manger les murs. Oh,
Nickel, je les ai quasi tous éclatés en une attaque, c'est parfait. Ouais, toujours que j'ai de l'alcool sur moi en fait. Impec, bref. Donc le quartier champion. Faire le tour. Oh, remarque qu'il est 52 minutes, j'avais pas pensé à ça, mais. Ouais, j'avais pas pensé à ça. On va s'arrêter là du coup. Désolé de vous avoir vendu du rêve, mais ouais. J'avais pas du tout pensé à ça, mais. 52 minutes, si on a Amura, il y aura forcément des cinématiques et compagnie. Tout va s'enchaîner, je pense. Donc je préfère qu'on s'arrête là en bonne et due forme, qu'on fasse ça à l'arrache pour après. Comme ça, la prochaine vidéo, on sera tranquillou pour tout ce qui va... Enfin, tout ce qu'on va nous proposer à l'écran, j'ai envie de dire. Parce que là, je sais pas du tout comment ça va se passer, donc je préfère pas torcher ça en deux secondes. Donc n'hésitez pas à en commenter, en tout cas, comme d'habitude, et puis on se dit à la prochaine, du coup, pour la suite de ce chapitre 10, l'appât. Voilà. Allez, à plus !